Yo Totof. Ouais, ça va être tendu, il reste 7 minutes là. Il a dû se gourer sur le chrono. Dylan, il lui a dit en plus. Ça glisse. Eh merde. Putain. Ah, j'aurais bien voulu poser un chrono tout de suite, hein. Ah, les températures, ils sont hautes. Thank you.
13e. Eh merde, putain, c'est où? Oh, ça roule fort. Oh, ça roule fort ce soir, il y a du client. Et voilà, putain, mais les mecs, sérieux! Putain, ça me casse les couilles! Putain! Mis au calme. Ouais. Ouais, putain, j'ai un peu foiré mes qualifs là. En plus, on me met la pression dernier tour là, ça m'a saoulé. Je me suis sorti. C'était pas, soit c'était pas 20 minutes les qualifs là, c'était. Ouais, c'est pas mal, ça change un peu, mais. Mais à mon avis, c'était chaud quoi. À mon avis il a dû se planter parce qu'en plus Dylan il lui a dit je crois 10 minutes, il a bien dit 20 minutes hein, en plus. Bah ouais, mais quand tu enfin moi je, quand tu regardais les sur l'inscription de la course, c'était marqué qualif 10 minutes. OK. Alors je sais pas. Ouais, 3 4 tours quoi, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai fait que deux tours valides. Ouais.
Je sais que j'avais déjà fait un open, j'avais fait un open ici ou une manche de champ. Non, ça devait être un open là encore si ils étaient tous devant. Ou je crois que j'y étais pas et j'avais regardé le résultat. Là encore, ils avaient fait un 2, 3, Là, 4, je crois. bah qu'est-ce que tu veux là? Bon, ça va être ça, hein. Tu vas peut-être avoir Gélin dans le lot et puis voilà. Bah tout à l'heure, quand j'ai sur le serveur que j'étais, bah ils étaient tous là. Ouais, ils l'ont préparé, je pense. Enfin, le préparer. Ils se sont chauffés gentiment avant quoi. Ouais, ils sont combien? Ils sont 1, 2, 4, 5, 8. Par contre, putain, le 15-15, il va faire mal. Hein. Oh la vache. C'est quoi ces températures? Et tu savais que c'était une nuit? Je sais plus qui c'est qui m'a dit tout à l'heure, 5 heures du matin. Donc là j'étais à 20, 25. Putain, faut quasiment remettre un PSI. Bah ouais, je vais, c'est ce que je vais faire moi. Ah putain, mais j'ai peur que ça fasse de trop, moi. Je vais mettre 8. Ouais, je vais mettre 9. Les écopes 3, l'idéal ça serait les deux là, mais. Ah, je sais pas, les Ouais, le deux. temps il est en x3, ouais, faudra baisser les tempêtes après, je pense. Il n'y a pas de la pluie. Ouais, c'est la nuit. Ah non, non, c'est pas trop la nuit quoi, mais. Ça va être le lever du jour, quoi. Putain, même pour le sim racing, faut se lever le matin, putain. Ah ouais. Le top 10 là, je crois que c'est c'est chaud. T'es combien Sais là? pas pourquoi. Bah, il y a déjà dit honkers. C'est ça. T'es combien là? Bah moi je suis 20 25. J'ai Célia juste derrière moi. Bon bah Merci écoute Totof. hein. On va essayer de pas créer de wigwam. On va prendre un détente début de course, ça serait con. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée hein. Ouais, j'aurais peut-être pu ouais, être dans le ouais, 11, 11, 10, 11, truc comme ça, 12. Prends la stun maintenant. Il a fait Roscoe au moins la course, non? Je sais pas s'il a fait la course. Semble que je l'ai pas vu, mais. Parce que si c'est. S'il a fait pas, qui c'est qui met les pénas? Bah, il y a une commission de course, je crois, je sais pas. Bah, il y a quelqu'un qui les met, c'est sûr. Oui, bah oui. Bah, sinon, essaye voir s'il y a une commission. Non, non. Non, tu vois. Non, le dernier que j'ai fait, c'était la LMR, ça m'a suffi. J'avais pris que 20 secondes en plus. Oh, ça va, t'aurais pu faire mieux. Ouais, franchement, quand j'avais vu le crash que ça avait fait derrière, je me disais sûr, je prends au moins le DT. 20 secondes. Oh bah ça va. Là, je suis avec que des gars que je m'entends bien, faut pas que je les déclenque. C'est toi qui es devant moi là? Je suis P15 moi. Ah non, c'est Seb, la B.
PM dehors. T'es en train de me dire, mais Romu il a pas des jantes vertes, putain. Non. Toi t'as mis des jantes en or. Je l'ai pas touché moi. Ah, qui c'est qui a mis des jantes? Qui c'est qui met des jantes en or? C'est pas moi. François, par contre, tu le repères. Avec ses jantes rouges, ouais. Mais au moins, tu sais que c'est lui, que c'est pas Clément, quoi. Mais c'est clair. T'as mis quoi? T'as mis les plaquettes? Une, là? Ouais. L'autre fois, la manche de championnat, elle est mère, à la fin des 2 heures, j'avais plus de frein. Ouais, 2 heures, ça commence peut-être à... Ça doit être limite. Ouais, il dit jusque 3 heures, mais... Ça dépend peut-être des circuits. Ouais. Attention! Je sens que c'est un peu prudent quand même. Ouais. Wow. Putain, j'ai les pneus avant bleu, bordel. Pareil. Ouais, c'était propre. Un dépassement, ça se fait à deux pilotes, hein, pas tout seul. Hein. C'est Malik qui a bien joué aussi. Ça glisse, non? Thank you.
Bah Sam il est dans les pits, il a du cartable. Non non je l'ai vu au pit. Comment il faisait bouchon là, il y a sur 5-6 maillots devant moi. Ou alors c'en était un autre. Les BM, il y en avait pas 50. Non. Adrien Gomez, toutes ses courses, il se fout en l'air, c'est ouf. Mais ouais, il est très fort, mais...
5 secondes de pénal, je crois que c'était des DT qui m'étaient. Les Aston, il y a BM, il y a moi, il y a Duc Duc en Aston devant, Weber, BM, Aston devant, et les Aston ils sont imprenables en ligne droite. C'est clair. C'est un truc de fou. Et toutes les Honkers ils sont quasiment toutes en BM. Hein. Enfin en Aston. Ah ouais? Wow. Ça fait 3 tours, il m'attaque. Au T1, je le prenne un peu avant, je le laisse passer. Prends le vibreur à cheval, il se met en travers plus haut. C'est ça qui est bon. Je suis dans un no man's land maintenant. Là, la bataille, c'est chaud. J'ai 1h30 comme ça tout seul à faire. Je
l'épreuve numéro 1 sur la carte et tout ça. Ah oui. Oh, le soleil. Là, j'ai eu un demi-tour quand j'avais 20 FPS. C'est un roulable. Ouais ouais bah tous les pilotes là qui sont autour de moi on se connaît tous bien. C'est surtout qu'on se respecte. Mais ouais, c'est clair. Quand tu arrives sur le haut du circuit, il y a le soleil. Ah oui, là, un peu calme. Pour le gauche, là, c'est bien génial. Ah, et puis quand tu arrives à la chicane aussi, maintenant.
chercher JK, Romain? Comment? T'es chercher JK? Non, je suis malheureux. Ah bon. Ah, vous voulez? Ouais, je vais y aller après sur ce jeu-là. T'as 1000 euros ou pas, Tony? Non, pas encore, mais le mot de passe a changé ou pas? Normalement, c'est Suzuka ou Manchin, non? Parce que Nala 34. Non, non, c'est pas Nala 34, hein, c'est sûr. C'est bon, ça. C'est bon. C'est ma mec. Suzuka avec un 4 apparemment en majuscule. Putain, j'arrive pas à distancer Duc. Je sais pas d'où il sort, là il me trace. Ah, je vais prendre le cut. Ton premier? Non, je l'ai pas pris. T'en as pris toi? Oh, Skinenko qui déglinde à 1 mètre dans le top 5. Oh, c'est un truc de fou. Drapeau bleu qui déglingue encore un mec. J'ai 10 après 15.
ça va, t'es dans les clous. Ouais. T'as droit à un quart de demi-heure à peu près. Voilà, ouais, la piste là va commencer à monter, là je suis à 27,2 là. C'est pas dimanche, non? Hein? Dimanche? À la BZG? Ouais. Ouais. T'as vu les qualifs, ils commencent. Il y a une heure et demie de qualif ou un truc comme ça. Ouais, commence à 19h. Normalement, une demi-heure grand max, t'as le temps de faire un tour. Hein. Ouais.
l'impression que les pneus ils commencent à avoir mal la gueule. Ah putain! Ouais, ça glisse. Les mecs ils savent qu'elle est à peine majeure. Bah, je sais pas mais. Elle me laisse passer. Il y a le mec qui me suit. Et hop. Il a des fonces en même temps.
McDo à Redidi qu'il avait pas besoin de ça. De quoi? Le dernier virage, j'ai pas une à 50 mètres. Non. Ah si, du coup je suis allé dans le bac. Je reviens, mais faut pas que je fasse d'erreur. Oh, je fais n'importe quoi.
Ouais, c'était chaud l'entrée des pits. J'ai du duc. Oh putain, bah du duc ré. Ah si, c'est bien du 46, mais il me semble que... Ouais, ouais.
Putain, je peux rien faire en ligne droite avec les Aston. Putain. Je savais pas, mais tu savais que putain, Damien Weber et hein? Je savais pas l'autre fois, mais tu savais que Damien Weber là. Ouais. Et Yann, ils se connaissaient, ils ont fait des courses en vrai, ensemble. Ah ouais. L'autre fois, Yann, il m'en a parlé, il me dit, c'est un super gars. Ouais ouais, je discute avec lui moi, Damien, souvent. Bah, il a failli venir dans la team, mais il avait déjà postulé à la Vroom. Ouais, super sympa, Damien. Je peux rien faire. Hein. La stun, laisse tomber, impossible. À l'aspi, une distance quoi. Je... Il y a beaucoup de circuits comme ça. Ouais, toi, Toff, bah, je le connais bien, Christophe, mais je veux pas le dive non plus. Ouais, comme là. Gélin, il revient de ouf. Ah, je vais prendre un autre.
Ouais, ça va pas être facile. Je vais pas y arriver. Puis y a Kevin derrière qui revient, c'est ouf. Ah, je vais le prendre là. Oh bah j'ai carrément coupé le machin, je l'ai pas eu. Truc de fou. Et là je coupe à peine, je le prends. 3 cuts, on va le déter. Putain. 4. Non mais je vais le prendre le déter. Ouais, je suis 10 fois mieux que lui, je suis plus rapide que lui, mais en ligne droite, je peux rien faire. Je peux rien faire. Même à la spim, distance. Et puis là avec 3-4 je peux... Wow. Ah mais je suis plus rapide que le P5 aussi, mais tant que j'arriverai pas à le doubler... Puis ça sera la même chanson avec le temps. J'arrive plus à reprendre de temps dessus, c'est chaud.
Ouais, je sais pas. Premier qui est sorti, il est en moins. Ok. Mais roi, il est pas loin aussi, hein, le P4. Hein. Putain, c'est ouf. Ils ont mis du nitro dans la stun. Ah, je fais Yes, merci Dotof, mais ouais, je fais des petites erreurs et j'arrive pas à revenir. Ouais, puis je peux plus prendre du risque, j'ai 3 quêtes. Ah, c'est mort ça.
laisse pas passer lui. Putain, il a la ligne droite pour le faire. Pff, voilà. Possible des mecs comme ça là. La pub, la fameuse pub. Ça va, Romain? Ça? Oh non, je suis P7. Le P4 il est pas très très loin. Ouais, même temps apparemment, quasiment. Ouais, et puis au départ j'ai perdu un peu de temps à éviter le crash là. Les 5-6 premiers sont partis vite.
Ouais, c'est à celui qui fera la moins le moins d'erreurs. Je fais pas des grosses erreurs, mais des petites, ça me coûte un dixième par-ci, un dixième par-là. On roule pareil. Ah, il attaquait à mort Kevin DT. Thank you.
j'y arriverai pas à aller chercher devant, je pense. Il fait pas son DT, il va me venir faire perdre du temps. Franchement, c'est abusé ce qu'il fait là. Mais il a pas le droit de faire ça, putain, mais c'est ouf. Enfin, franchement, les mecs, le mec il a un DT, il vient me faire chier pour ma bataille là. Merde, franchement. Faut le dire, si les open c'est interdit à part les aliens. Si on vous fait chier, faut le dire. Ça commence à être relou ça. Voilà, 3 secondes et demie, tu pars. Bah, il fait son DT après. Franchement, c'est vraiment se faire. Putain, mais c'est quoi cette mentalité là? Franchement. Mais ouais, c'est n'importe quoi. Le mec, il a un DT. Et pourquoi il rentre pas avant? Été réglo avec lui, je l'ai déjà fait même passer dans des endus, nickel. Il a pas de péna, impeccable. Maintenant faut pas toucher aux aliens, c'est vrai.
Putain, mon spin il me coûte une place pour ça. Ouais, une belle course quand même. Ouais, je sais pas ce que j'y ai fait, mais même au calife, il m'a fait chier au calife, je comprends pas. Je sais pas, jamais eu de problème avec lui. Fait combien Romain, je suis pas vu du coup. Et 15. Ouais, ça va. Ouais. Bah je suis revenu à 2 secondes là de Neycall. Bah il m'a manqué c'est mes 2-3 erreurs là. Ma sortie de piste et puis mon spin là quand Ouais. J'ai eu deux blue flags à gérer. Ouais, ça va, P15 avec le level qu'il y a quand même, ça va. Hein. Tu regardes les noms devant. Le mec au début, il m'a doublé en début de course, il me mettait 2 secondes autour. Qui ça? Bah, le 14 là. Ah, il roule fort Neiko, lui, hein, là. Neiko là. Il roule fort. Et hein. En fin de course, je pense que c'est qu'il s'est arrêté plus tôt, il devait avoir les pneus cramés. Ah ouais. Ouais, j'ai pas compris le move de Gélin, mais non, mais là il y avait du level, hein. Le top 10 c'était compliqué, hein. Moi j'ai profité. Bah, des fois il est pas méchant, mais quand il est dans sa bulle, il fait des conneries. Bah, là en fait, j'ai pas compris. Déjà un peu au qualif, tu vois, je pars pour mon tour de chauffe, il me gêne au premier virage, du coup lui il foire son tour, je foire mon tour. Et là en course, ouais. En fait, il prend un DT à la fin, et il fait pas tout de suite. On refait un tour, il le fait pas encore. On repart pour un tour et il m'attaque. Moi je suis à 1 seconde 5 de l'autre devant moi. Il m'attaque, il me fout au bac. Et au tour d'après, il pite. Ouais, j'ai pas compris sa manœuvre, Gélin là. Ben ouais. J'ai toujours vraiment pas compris. Ben ouais. Il a un DT, il vient te choper quoi. Ben alors que si il est plus vite que moi, ben, il s'arrête tout de suite et puis voilà quoi. Bah, de toute façon, il a un DT, il a pu t'attaquer. Ben oui.
Il avait rien, bah, ou s'il voulait pas être gêné par moi pour ces deux derniers tours, il pitait tout de suite et puis c'était, ça revenait au même. Je comprends pas le move. Bah là, ouais, des fois. Mais je comprends pas. Faut m'expliquer. Yo. Après, je suis peut-être con, mais salut. Je sais pas. Salut. Salut les gars. Alors, non, moi, je comprends vraiment pas son move avec son DT là à 3, à 5 minutes de la fin. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben ouais. Il n'y a plus rien à jouer à ce moment-là. Bah c'est... non, surtout qu'il fait son DT, il était P8, il fait son DT et en fait il reste P8 donc. Ah ouais. En plus l'attaque elle est musclée. Hein. Ben ouais. Tu sais, s'il te passe, bon bah à la limite il te passe, c'est pas un problème. Mais là il te sort carrément. Bah, pour moi, t'aurais même pas dû défendre, t'avais aucun intérêt à défendre étant donné qu'il avait un DT. Mais bon. Ben je défends pas du tout, il m'attaque comme ça, j'ai même pas eu le temps de défendre ou pas défendre. Pour moi, dans ma tête, je me dis, il est intelligent, il va déjà, moi, je suis à sa place, je pite tout de suite. Donc. Ça dépend si derrière, c'est assez proche, tu peux gagner quelques secondes qui permettent de te placer devant. Mais vu l'avance qu'il avait, il y a 46 secondes derrière. Ouais. Il a même pas perdu, je pense, avec son DT. Non, il a rien perdu. Donc, je comprends pas. Enfin, bref. Faut le dire, hein, si les Open c'est réservé qu'aux aliens, si on fait chier les gens, faut le dire. Bon, je vous fais une belle remontée. Je fais pas de qualif par 41, j'ai dit 16. Bien joué d'ailleurs, Romain, t'as réussi à me distancer assez facilement.